Non, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas très bien compris le. Si vous voulez, c'était. Enfin, par exemple, je ne comprenais pas parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Parce que sous quelle forme. Je n'arrivais pas à comprendre la forme dans laquelle il voulait faire ce débat, c'est-à-dire. Parce que c'était presque Kafka, parce qu'il disait dans des préfectures, mais c'est-à-dire je ne comprenais pas très bien d'un point de vue concret, si vous voulez, comment ça se passait en fait. C'était absurde. Enfin, je comprenais pas la manière dont ceux qui ont donc décidé de ce débat, je ne comprenais pas la forme. Dans laquelle ça se passe, c'est ça qui me semblait complètement obscur, enfin, parce que il disait que ça se passait dans des préfectures, mais enfin, c'est ça que j'arrivais pas très bien à, et ça me semblait comme une sorte de, oui, quelque chose d'absurde, enfin, je comprenais pas très bien où il voulait en venir, en fait. Et l'identité nationale, c'est un sujet pour vous? Qu'est-ce que l'identité nationale française? Ben, c'est-à-dire ce qui est, oui, ce qui est fascinant, c'est de voir comment les différentes strates depuis ces siècles se sont, oui, comment la France, comment il y a eu différentes, ça, ce serait intéressant d'avoir, mais c'est pas possible dans un débat. Enfin, il aurait fallu. Et puis toutes des expériences individuelles aussi. Enfin, c'est tellement compliqué. Enfin, c'est de la microchirurgie en fait de voir des tissus, les mélanges qui ont fait la France. Enfin, tout ça, c'est presque chirurgical. Au niveau cellulaire. Enfin, on peut pas. J'ai l'impression que vouloir faire un débat, surtout tel qu'ils l'ont fait, c'était comme une bouche, enfin de tranche, enfin de. J'arrivais pas très bien à comprendre. C'est comme si vous demandiez à un chirurgien, enfin des choses tellement presque. Des choses très subtiles d'employer je sais pas, d'employer des instruments qui ne correspondent pas à ce qu'il voulait faire. Enfin, je n'ai pas très bien compris ce qui est.